Aux confins de la province du Languedoc-Roussillon, le Gardon coule sur 127 km et doit sa renommée principalement au célèbre pont aqueduc qui l'enjambe. Le pont du Gard est un monument emblématique du monde romain. C'est un monument de génie civil donc, qui est connu dans le monde entier. C'est un monument donc, qui a été construit aux environs du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est donc un pont aqueduc et il fait partie d'un ensemble qui est aussi monumental, c'est-à-dire un aqueduc, donc une canalisation qui alimentait en eau la ville de Nîmes, la ville romaine de Nîmes. Et cet aqueduc mesurait 50 km de long. Il partait d'une ville qui s'appelle Uzès et donc traversait le Gardon, qui est donc un petit fleuve, sur le pont du Gard, pour ensuite se déverser au château d'eau de la ville romaine. C'est un monument donc, qui comprend trois rangs d'arches superposées, qui mesure près de 50 mètres de haut. Les arches du premier niveau, donc celles qui enjambent le Gardon, ont des largeurs d'ouverture aussi qui sont assez exceptionnelles, même pour les constructions d'époque romaine. En particulier, l'arche la plus importante a une envergure de 25 mètres de large. Et donc, ces trois niveaux d'arcade supportent donc la canalisation qui passe tout en haut à 50 mètres donc, de hauteur. Il n'y a finalement que 12 mètres de différence entre le point de départ donc à Uzès, aux sources, et le point d'arrivée à Nîmes. Ce qui veut dire qu'il y a une pente très faible sur 50 km, mais cette pente a suffi pour que l'eau puisse s'écouler par gravité jusque Nîmes. L'eau qui se déversait servait à la salubrité de la ville, elle s'écoulait en permanence dans les rues, elle permettait aussi d'alimenter les thermes, les bains publics, où les gens avaient coutume de se rendre quotidiennement et qui étaient ces thermes étaient de gros consommateurs d'eau. Et puis aussi, une chose qui est aussi un peu exceptionnelle et qu'on retrouvera ici que pratiquement au 19e siècle, c'est l'adduction d'eau dans les maisons. Alors, les maisons riches, bien sûr, ce n'était pas toutes les maisons de tout un chacun qui avait l'eau courante chez lui, mais c'est une chose aussi tout à fait remarquable.